Tu m'expliques ce que tu fais? Ça, il faut le laisser là. Pourquoi tu le tires? Allez, ma fille, on va manger? On va manger. Elle a laissé maman se préparer. Ça m'a fait grave du bien. On s'est endormi une heure avec Aya sur le canapé. Voilà. Là, elle continue encore un petit peu à dormir. Et moi, je me suis complètement effondrée. Voilà, c'est que j'en avais besoin. Donc, vraiment, ça m'a fait du bien. Tout à l'heure, il y a une copine qui vient à la maison. Et puis ce soir, on a mangé entre copines. Bien sûr, j'emmène Alia. Voilà. On a mangé dehors. Donc ça va être cool. Pour ça, je me suis bien reposée, ça m'a fait grave du bien. Je voulais revenir vers vous. J'ai posé une question tout à l'heure sur mes réseaux, sur Snap. Quand est-ce qu'il fallait commencer la diversification? Donc il y en a plein qui me disent à partir de 4 mois. Vous savez qu'Alia va bientôt avoir 4 mois déjà, c'est un truc de dingue. Et voilà, donc apparemment c'est entre 4 et 6 mois. Faut que je vois ça avec mon pédiatre. Donc je vais voir ça. Et voilà, sinon j'ai trop hâte de pouvoir lui faire écouter, même si du coup ça fait vraiment prendre conscience qu'elle grandit énormément, mais j'ai hâte quand même de lui faire écouter des légumes, voilà, donc commencer vraiment les petites purées, vous savez, carottes, les petites purées d'épinards, les petites purées, tout ça, donc j'ai vraiment vraiment hâte, même si comme je vous dis, ça va me faire hyper bizarre et ça va être ouf quand je vais commencer à lui donner. D'ailleurs, pour la diversification, je parle de son, parce qu'Alia dort encore. Elle émerge, elle se rendort, elle émerge, elle se rendort. Pour la diversification, donc ce qui est bien, c'est que je suis déjà... Regardez. J'ai déjà tout. Je vais vous montrer. Vous savez, j'ai les petits, la petite armoire d'Alia, il y a tout dedans. Voilà. Donc là, j'ai tous les bibis tout secs. Donc là, quand on va augmenter les doses, vous voyez, je vais avoir les grands bibis. Et j'ai déjà les couverts. Et en plus, c'est vrai, il y a marqué à partir de 4 mois. Donc, c'est ça. Donc, j'ai ça. J'ai l'assiette Click and Mat. Donc, ça, c'est vraiment le top. Ça, toutes les mamans m'ont dit que c'était trop, trop bien. Donc, je suis trop contente. Voilà, je vais vous montrer pour les mamans qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. C'est trop bien. J'ai trop hâte. Donc ça sera un peu plus tard. Là, regardez. J'ai ça. Ça, c'est à partir de 6 mois. 6 mois. Mais j'ai déjà ce à partir de 4 mois. Donc à partir de 4 mois, j'en ai plein. Vous voyez. J'en ai grave, grave. Tout ça. Voilà. 4 mois aussi. 4 mois, 4 mois. Et puis aussi, j'ai ça. Donc ça, j'ai trop hâte aussi de mettre.
Regardez les bavoirs comme ça. Les longs bavoirs pour éviter de se salir. Oui, c'est des longs bavoirs qu'on met par-dessus les vêtements de bébé pour éviter de se salir. Oh, elle va être trop craquante avec ça. Et ce qui est génial, c'est que j'ai déjà la chaise haute. Donc, vous voyez, je l'avais mise dans la chambre d'Alia. Donc elle est là. Et en fait, regardez, je vous montre le principe de l'assiette click and mat. Elle est trop bien. Comme ça, je vous dis qu'elle est trop bien. Donc en fait, une fois que vous la posez là, bah, le bébé ne peut pas bouger l'assiette. Vous voyez, il ne peut pas du tout bouger l'assiette. Et en fait, c'est à nous de la clipser. Elle est tellement bien clipsée que même moi, du coup, voilà. Je n'arrive pas à la déclipser. Mais vous voyez, on fait comme ça. Donc on prépare le plat de bébé. On arrive, oh, j'ai trop hâte de voir Alia là. Et puis ensuite, voilà. Et Alia ne peut pas bouger l'assiette. Ensuite, si elle n'a pas fini son repas, pour le coup, vous voyez, il y a le couvercle. Et ça, donc, je le déclipse. Et je peux le mettre du coup au frigo. Voilà. Et en fait, il y en a plusieurs que je peux, vous voyez, faire beaucoup de petits tupperwares pour l'alimentation d'Alia. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc tout ça, j'ai trop hâte. Même si ça veut dire que mon bébé va grandir. Mais vous voyez, tout est là et tout attend la petite princesse ici. Et ensuite, la chose incontournable donc de chez Touchet, vu que je vous présente un petit peu les produits que j'ai et qui sont vraiment incontournables pour moi, c'est la baignoire d'Alia, donc avec le coussin. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure quand elle prend son bain, vu qu'elle prend son bain tous les soirs à la même heure. Mais cette baignoire-là, elle est magique. Moi, Alia, elle ne peut pas s'en séparer. Elle est mais tellement bien. Moi, je la laisse tout le temps comme ça, mais pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de place, là, vous voyez, ça, elle se referme. Ça se rentre et ça fait vraiment une baignoire trop bien. Même pour les extérieurs, là, dès qu'Alia pourra un peu se baigner en extérieur, je vais lui faire sa propre petite piscine. Voilà, en extérieur à côté de nous avec son eau pour elle. Je vous montre quand elle prend son bain tout à l'heure. Donc en tout cas, sachez que Touchek, ils me suivent depuis que j'ai accouché. Voilà, Alia utilise et la baignoire et les bibis. Et bientôt, elle utilisera les petites assiettes, la table haute et tous les produits pour bébé quand mon bébé grandit. Donc, franchement, si j'ai un truc à vous recommander, c'est Touchek. Ils sont vraiment, vraiment top. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver plein de produits sur le site très utiles pour les mamans. En ce moment, profitez-en parce qu'il y a moins 50% sur tout le site. Et en plus de ça, moi, je vous donne un code promo de moins 20% supplémentaire pour la période des soldes. Donc, vraiment, profitez de ce code promo. Alia Nakamura. Alia Nakamura. Oh, éclabousse. Oh, éclabousse. Bon, c'est parti. Avant d'aller prendre le bain d'Alia avec ma copine arrive, je vais finir de me préparer. Vous avez vu que j'ai pas mis de mascara du tout aujourd'hui puisque je comptais mettre mes cils. Donc je vais remettre mes fossiles pour le soir. Ceux-là, je les aime trop. Ceux que je mets tout le temps avec deux biches. Ou des fois, je mets les naturels, mais ceux-là, je les kiffe. Avant de poser ceux-là, je vais vous montrer pour les filles qui veulent que je reteste pour elles les effets cils à cils. Donc ceux-là, pour vous montrer que c'est hyper rapide à mettre. Il y en a encore qui galèrent. Je ne sais pas comment vous faites pour galérer parce que c'est hyper simple en fait. Je vais vous montrer la méthode pour les mettre et ça fait hyper naturel. Et pour les autres, pour celles qui ont du mal à mettre cela, je vais vous montrer la deuxième méthode, donc celle que je vais appliquer juste après avec le eyeliner magnétique.
J'aime trop. Vous voyez? Hop, et puis ça tient toute la soirée, vous allez voir toute la soirée, je vais être avec. Ça tient hyper bien et pour les enlever, pareil, hop, et après on démaquille le eyeliner qui est le eyeliner magnétique. Ensuite, de chez La Parisienne K, j'ai aussi les rouges à lèvres parce qu'ils font aussi des rouges à lèvres. Vous savez que je suis une grande fan de rouges à lèvres avec les crayons à lèvres. La Parisienne K, le fond, et c'est d'ailleurs ce que je porte. Ils ont une tenue incroyable et j'adore leurs crayons parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de taille crayon. Vous voyez? Vous tournez, hop, ça sort. Donc, pas besoin de taille crayon. Il est hyper grand, contrairement à ceux que j'avais avant. Donc, ils tiennent hyper longtemps. Et puis, à chaque fois, vous avez la référence rouge à lèvres qui va avec. Et les rouges à lèvres tiennent hyper bien également. Bon, en tout cas, sachez qu'il y a plein de références sur le site. Alors moi, je vous ai montré cela, sinon vous en avez plein d'autres. Pour les intéressés, je vous donne un code promo de moins 25% qui est valable sur tout le site parce que c'est les soldes. Donc, grosse promo chez La Parisienne K Beauty. Donc, vraiment, profitez un max, faites-vous plaisir. Refaites votre armoire de make-up. Et voilà, et vous allez voir, il y a plein de références. Et au moins, ça n'abîme pas les cils et je les mets et je les enlève quand je veux. Voilà. Il y a des jours où j'ai pas envie d'avoir de mascara ni de grands cils. Effet naturel, et ben ça c'est très bien. Et quand je sors, ben, j'aime bien avoir des beaux cils. Bon, ce soir, j'ai pas la petite. Voilà, elle est pas avec moi. Je l'ai laissée à ma maman. Je suis partie donc je l'ai lavée et tout. Et puis je suis partie la déposer chez ma mère. Et je suis partie manger entre copines. Voilà, à la plage de G. Ça va me faire du bien. Vu qu'il fait un peu trop chaud, en fait, j'ose plus, depuis qu'elle a fait le coup de chaleur, trop sortir Alia. Du coup, je préfère la laisser là chez ma mère tranquillement. Et puis ma mère, elle est trop contente quoi, d'avoir cette petite fille avec elle. T'aimes bien ma soeur? Hein? Elle fait pas grossir. Elle fait pas grossir. Parce qu'elle est fine. Parce qu'elle est fine. La crème. Et elle a rien compris. On l'a mais si j'ai grandi 10 kilos. Dis-toi ça si tu veux te rassurer. Elle est excellente. Je suis sûre de moi quand je le dis. Je sais. Elle. Aspire. Non, bah là, j'ai pas dit. J'arrive pas. Là. Ta langue. Allez. Crache. Elle va te le cracher dans la. Là. Fais voir s'il est parti, Anaïs. Fais sortir un G. Arrête ça dessus. Fais un G d'ici. Sors un G d'eau. Mais c'est impossible en fait. Vas-y, écrache-moi. Oh là là. Vas-y. Mais oh non. Elle va pas me cracher dessus quand même. Mais non, mais elle. Je te jure, je peux pas. Vas-y. Les mains sont trop serrées. Essaye. Comme ça. Quand un poisson, on voit son œil, sa tête, j'ai envie de le prendre et de jeter à la mer, ma sœur. Tu crois que j'ai choisi l'œil? Tu peux le jeter. Déjà, je peux le prendre et le rejeter à la mer. Le faux. Juste du poids, le citron. Et la brindille. C'est pas la classe, quand même. Le meilleur. Et en plus, il est humble. Ça sent le faux, tu sais. Nous, on sait que c'est pas faux. Oui. On sait. On le sait.